L'ostéodensitométrie est une radiographie spécialisée qui mesure la densité de calcium contenue dans les os. C'est un examen radiologique qui emploie les rayons X de très faible intensité et la technologie informatique pour déterminer la densité minérale des os. Il détecte l'ostéoporose et évalue les risques de fracture. Autour de 30 ans, on atteint son pic maximal de masse osseuse. Jusqu'à environ 45 ans, les activités de résorption et de formation s'équilibrent et permettent le renouvellement de la structure osseuse. Par la suite, il y a une diminution naturelle de la masse osseuse. L'ostéoporose est une maladie globale du squelette qui se caractérise par une densité minérale osseuse faible et par une détérioration progressive de la microarchitecture du tissu osseux, ce qui accroît le risque de fracture. C'est une maladie silencieuse qui ne présente pas de symptômes jusqu'au jour où survient une fracture sans traumatisme important. Cette vidéo s'adresse à toute personne souhaitant s'informer sur l'examen d'ostéodensitométrie. L'ostéodensitométrie est habituellement effectuée au service de radiologie d'un hôpital ou d'une clinique. C'est un examen indolore qui dure en moyenne 20 minutes et ne nécessite pas d'injection de produits. Aucune préparation n'est nécessaire. Après votre enregistrement à l'accueil du service de radiologie, le technicien vous prend en charge et procède à la prise de votre poids et de votre taille. Vous serez amené à remplir un questionnaire spécifique avant ou après l'examen. Tout objet métallique doit être retiré du champ de l'examen. Par la suite, vous vous allongez confortablement sur la table d'examen. Vous devez rester immobile pendant l'ostéodensitométrie. L'appareil se déplace au-dessus de la région à examiner pour produire des images sur l'écran d'un ordinateur. On dirige pendant quelques minutes un fin faisceau de rayons X très faiblement dosé vers l'os visé. Les rayons X seront plus ou moins absorbés selon la minéralisation de l'os. Plus l'os est dense et minéralisé, moins les rayons passent. Deux sites anatomiques sont habituellement examinés, le rachis et la hanche. Dans certains cas, l'interprétation n'est pas fiable. On peut alors réaliser l'examen sur l'avant-bras du patient. Cet examen utilise des rayons X, comme pour une radiographie standard, mais l'irradiation est très faible et donc sans danger. À la fin de l'examen, vous pouvez reprendre vos activités habituelles. L'ostéodensitométrie peut avoir deux objectifs. Détecter une fragilité osseuse et un risque de fracture et contrôler l'évolution de la densité osseuse avec ou sans traitement. Un rhumatologue ou le médecin qui vous a adressé pour cet examen analysera les images avec le technicien radiologique, puis un rapport complet est envoyé à votre médecin traitant. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin traitant.